Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Richesse. Je dis à nous content là avec vous encore pour une nouvelle vidéo pour nous continuer à parler de 7 Baby Steps et de Dave Ramsey et n'a fait analyse pas nous pour nous garder qui pose un compte chaque step gagné et qui gens en monde qu'à utiliser pour financial freedom. Je dis à nous avec Sami Finance et Capote qui vient porter en série de bonnes informations pour nous et nous comptons une fois encore pour nous partager une bonne 20 minutes pour nous parler de bagailles qui a aidé nous grandir économiquement. Ça qu'a fait. Bon, nous poser, nous malheureusement et abgadier jamais sur Abdigin Golé qui se passe. Mais je dis à Jean de rappeler ça depuis une semaine là, nous pas là seulement pour nous une information qu'il y a avec le marché financier, mais nous là pour nous parler de finances, nous là pour nous parler de développement personnel. Donc ça me fait que je dis à nous continuer dans la série Baby Step de VMZ. Non, je sais à peine c'est que le marché peut continuer à tomber et à cause monter ou flamber prix. Pétrolier. Donc ça et nous connaît depuis prix a augmenté, donc ça vient de la cause d'inflation, donc c'est un bon bagage pour le marché financier. D'après le pour tout le monde, dernier statistique Bureau of Labor Balance, inflation aux États-Unis atteint 7,9% et en Europe il atteint 5%. Depuis 1982, inflation par jeune atteint niveau qui vaut comme ça. Donc, ça vient de faire que, ça doit côté nous à méditer, qui, pis bon, nous, gagner pour nous préserver, pour nous préserver le pouvoir d'achat, nous, avec l'inflation qui va suspendre de l'ingole. Eh bien, on a préappelé mon baby step, pour nous tomber dans ça qui est intéressant, je dis, nous gagnons première étape, qui c'est pour commencer un fonds d'urgence. Deuxième étape là qui c'est pour focus sur sous-dette. Pas oublier nous toujours même rappeler ça. DJMZ c'est un nèg qui croit en pile dans question d'être free pour atteindre et liberté financière. Et ça que fait l'encourager nous dire ça dans dernière séance là pour nous utiliser méthode snowball là. Et pour utiliser méthode snowball là de quoi ca payer des tout rapide et bien avec méthodologie. Troisième étape là ça m'a intéressé nous dire c'est et créer un fonds d'urgence complet qui évalue entre 3 à 6 mois d'épargne à 6 mois dépenses usuelles. Donc c'est pour épargner entre 3 à 6 mois dépenses qu'on fait et négatif chaque année. Quatrième étape, c'est épargner pour retraite. C'est très important. Cinquième étape, c'est épargner pour payer collège petit tout. Sixième étape, c'est payer caillou. Septième étape, c'est créer richesse et puis partager avec l'autre monde. J'en ai déjà parlé, on va parler de troisième étape là. Troisième étape là, c'est complete your emergency fund, un fonds d'urgence qui est value. La première, on va parler de première, un fonds d'urgence urgent, côté que il est value à pratiquement 1000 dollars. Ça, c'est pour répondre avec un besoin direct. Mais ça lui-même, il est beaucoup plus structurel, il est beaucoup plus de long terme. Lui-même, ça, son fonds d'urgence qui est évalué en 3 à 6 mois, dépenses ou café non année. Côté fonds d'urgence, ça prend l'important. Est-ce qu'on songe après Covid, là? Il y a des séries de monde qui a perdu travail. Mm-hmm. Et nous songe après Covid, là, il y a pratiquement 2 à 3 mois de confinement. Et pas nécessairement, ça que t'es gagné après Covid, là, recrutement pas nécessairement fait directement. Donc, ça rien fait. Surtout si on nous a travaillé. Non, bon, pour ta travail dans un secteur comme ça qui est pratiquement affecté directement. Le monde qui a travaillé dans le bon, pratiquement fait 3 à 4 mois, il n'a pas travail. Pour la ça qui fait, il a levé sur la location chômage. Et bien, tout le monde comme ça qui est en condition de vie qui vient pratiquement perdre. Le monde qui a travaillé Disney. Le monde qui a travaillé Disney, c'est pratiquement fermé pendant 6 mois. Yeah. Donc, ça qui nous passe, c'est que. Et. Fonds d'urgence, ça, c'est à partir du moment, ça, où est l'importance, lui. Par exemple, on est en Ukraine, là. On est en Ukraine, côté que pratiquement toute activité est censée fermer. Donc, si on, si le monde, ça, vraiment, pas de bien fonds d'urgence, ça,
qui j'en tape qu'à faire et répondre avec besoin. Fond d'urgence, ça, nous t'ai rappelé ça, l'aide à parler de premier fond d'urgence direct, là, premier dollar. C'est ça, pays, les gars, dit. On comprend, c'est même là avec fond de réserve, pays, réserve de change, pays. Réserve de change, pays, généralement, sont réserves qui là pour répondre avec besoin direct en pays, si toutefois, pays, ça t'a pas ça. T'as son embargo, ou bien pays, ça, par contre, t'as une difficulté quelconque. Pour commercer avec partenaires internationaux. Donc ça veut dire que pays ça a un minimum 3 la faut pays fond du réserve de change là faut qu'il couvre minimum 3 mois d'importation net. Donc c'est pratiquement la même logique là. Par exemple si pays ça va arriver dans une situation le pas à importer, il pas qu'à produire, il pas qu'à faire rien. Donc faut qu'on réserve qui a qu'à permettre monde qui dans pays aussi au table pour importer pour produits alimentaires. Bien, et pour les premières nécessités, de façon à ce que pour assurer. C'est pratiquement la même logique, 3 à 6 mois de dépenses. 3 à 6 mois de dépenses, c'est, imaginez, nous, par exemple, non, moi, nous avons dépensé 2 000 $ ou bien 1 500 $ pour dépenses, ça qui avec caille, machine, manger. Donc, devons nous conseiller pour épargner 3 ou bien 6 fois. 1 500 ou bien 2 000 $ ou qu'on dépense pendant un mois. Parce que qui ça permet tout, ça permet ou pas perdu comme si niveau de vie quotidien. Si toutefois ou t'as vu soit perdu travail ou bien ou malade ou pas qu'à travailler encore. Donc imagine ou sous perdu travail ou pas bien 3 à 6 mois de rien. Ça on pourra l'obliger à l'allocation de chômage. Et l'allocation de chômage, ça on pourra le bonheur. Oui, les sont bagages qui permettent de respirer, mais c'est pas vraiment bagages qui permettent de répondre avec niveau de vie que vous avez avant. Donc, qui sont même vos pensées de étape ça? Yep. Et pour troisième step là, et nous, on va parler de be intentional. Donc, et d'accord, exactement ce que ça veut dire, c'est pour nous gain en pile et misfortune qui gain pour qui gain pour arriver dans monde que n'a vivre là, donc ou supposé font préparation pour lui. Donc même j'en ai utilisé 7 baby step de devremzi pour nous faire une meilleure préparation pour futur nous. Donc c'est en préparation comment à moitié terme, moyen terme et le vrai mot pour nous et continuer avec intention qu'une guerre. Donc exemple bailan, bel exemple Covid là côté où tu gagne droit un bel job par exemple et me songer époque le Covid paraît en pile monde qui était qu'on a gain job 6 figures. Kounya là ouais monde ça yo, il y a plein ou pas gain travail, yo obligé à prendre ligne ou aller prendre manger gratis. Donc si moun sa yo t'ap suivi baby step de devremzi, donc ça te gen doit pas arriver parce que ou te getan préparé pour 3 à 6 mois pour bagay ke ou pa wè ki ka arrive. Donc c'est being intentional avec budget ou, donc pour permettre que les moments sa yo pa arrive pour gen moyen pour combattre. Donc si un moun préparer et moyen terme ça et à temps, donc grand pile problème qui pas privé et en plus tout ça pas permettre que ou retourner à zéro encore. Pas oublier l'été commencer baby step, il dit importance $1 000, c'est parce que objectif qu'on gagne pour finir avec dette là ou pas vouloir retourner à zéro encore. C'est même objectif ça encore l'organe l'on préparer pour 3 à 6 mois. On dit par exemple ou fin a baby step ou fin payer dette qu'on y a bi ou pas travail qu'on y a qui ça peut passer ou obligé retourner dans dette encore. Donc pour finir à sec vicieux ça, donc moyen et save pour 3 à 6 mois c'est un moyen qui sûr pour aider ou aider ou et défendre ça. Donc qu'on y a là qui gens pour monde préparer pour 3 à 6 mois. Et ça que nous dit que you na objectif ou tout le wap fait baby de vrai, c'est
économiser plus comme et faire moyen pour faire plus comme. Par exemple, ou gen doit gon job là, sous besoin atteindre objectif ou pi rapide, ou cherchons l'autre petit job ou fait et bien que nous pourquoi rentrer dans l'autre business que ka fait. Donc l'on fait l'autre job ça, ça vient permettre que ou gen un comme ou plus gros, pas oublier tout, dans troisième étape là. Celle d'être ou gain gros dette c'est d'être caillou sous gain caillou. Donc ça veut dire ou venir plus cash flow dans mon, ça vient permettre tout non période de 12 à 18 mois si ou fait ou suivre baby step de Ramsey yo lettre à lettre. Donc ça ca vient permettre ou créer un mois et ou gain doit arriver dans étapes et 3 à l'aise. Donc je pense que c'est un bon backup lié pour les moment ça apparaît, moment inopportun apparaît pour qu'à défendre. Et bon, bon c'est que ou pratiquement right. Et l'autre bain là bas je te dis qu'après vraiment urgent na comme situation c'est pas gain droit un problème que t'as ou gain pas qu'on imagine ou et ou quitter foi ouvrir et puis le font dégâts. Il font ses dégâts, admettant que le baguette en boule la net, mais le prend bon petit. Donc, on est à la sobre à le faire. Est-ce que, on va nécessairement obligé de reprendre un crédit pour réparer le cas là? Pas nécessairement. Et c'est ça qui est comme si on devait gagner en trois, six mois de façon à ce que, ou pourri, dépense ça. Yeah. L'autre baguette qui vient tout, par exemple, si ça t'arrive, ou pas gagner bon assurance maladie, et que, ou vraiment, une maladie, ou bien à payer, admettons bah qu'on est au fond quoi accident peut-être que et au bras obligé de prendre son paquet de cob pour payer et donc pour payer comme c'est l'hôpital là est-ce que c'est nécessairement ces crédits pour aller prendre non et ça fait que faut qu'on gagne 3 à 6 mois ça pour mettre au couvrir les passages. Donc troisième étape ça c'est répondre avec et des urgences nous dit qui est beaucoup plus structurelle que première. Et première, n'a pas tout entré dans et comparaison, c'est que première, lui-même, lui plus lié avec une urgence directe. Mm-hmm. Et les mêmes urgences directes, là, admettons, même d'après machine, on a une machine qui a un problème là. Est-ce que nécessaire, ou une machine, est-ce que vous obligez de tenter de toucher encore pour aller réparer et dégâts de machine là? Pas nécessairement, mais c'est que si machine a un problème, il va dépasser 1 000 $, bien sûr. Vous comprenez? Donc, ça fait 1 000 $, ça, il doit capable de répondre, ou bien tout, bah, qu'on est, ou bien laptop, ou bien qui a un petit problème, ou bien tout, bah, qu'on est, ou t'es fond, si, bah, qu'on est épargné, et évanoui, et puis après ça, ou courir à l'hôpital, ça, ou pas dépense, qui dépasse 1 000 $. Donc, première, c'est urgence directe. Deuxièmement, c'est urgence et tout, mais c'est des situations beaucoup plus structurelles. Par exemple, Kailan et ou perdre du travail. Donc, ça beaucoup plus structurel et que premier qui est antigen direct. Ça vient faire que n'a pas appelé mon nom. On va être très important en financier. Toujours faire prévision, toujours anticiper risque. Et loi pour anticiper risque, faut qu'on fait des prévisions de façon à ce que, ou tenu compte de l'élément ça. Toujours mettre en tête tout, faut qu'on m'en a préparé, toujours mettre en tête tout, car une situation mal qui passe. Et si situation mal ça passe, mais qui façon m'a répondre ensemble avec. Et tout bien fait, et pas une gain. Et pas une c'est, on m'en écoute qu'à toujours vivre au jour le jour avec son gain. Ou fin toucher là ou dépenser comme ou dépenser tout ou dépenser quand c'était que ou entrer là mais pas le fait que demain ça relé avenir là li incertain avenir on pas compte de ça li ka fait donc ou toujours tient à ce que ou gon quantité comme qui là qui pour permettre ou répondre avec ça qui arrive demain et même sans ça qui fait lien important si tout parce que travail là nécessairement c'est même si c'est pas travail pour toujours maintenant tête toi à n'importe qui moment on bagaille qui arrive on va être que Covid par exemple mon en Ukraine ça que penser que comme si à partir de mois de février t'as pas en guerre avec yeah. et Russie donc ça vient donc incertitude dans les là mais incertitude dans les pas de problème tout parce que ça qu'elle pas de problème des pour cas bien anticiper
ka bien prévoir comme si ou ka mettre des mécanismes en place comme si pour les lever ou pas totalement perdu, donc moi c'est que ou pas mal passé. Yep. Donc bon c'est une navara ou te mentionné tout à l'heure tout et ça que le gon série de bagaille nous même en tant que haïtien nous pas prendre avantage de yo par exemple gain ça life insurance et d'un coup et en pilote assurance encore par exemple haïtien il pas un problème ni d'assurance sur machine ni c'est bien c'est même genre tout ou même tout ou gain droit prendre avantage sur life insurance sur tête ou pour leur problème passé pour pas quitter famille en dégâts et même gens tout Kailan ou besoin gain assurance yon bon assurance là dans tout bien que ou gagne on copay pour faire dans Kailan tout oui donc tout ça par exemple gain la gojon te prend exemple tout à l'heure et ou gain droit gain yon on accident passé dans Kailan donc ou pas besoin al pour loan but sou gagne yon bon assurance et assurance ça ka aide mais ou besoin gon bon et cob serré là tout parce que grand pile assurance par exemple moi assurance ka moi si moi et n'importe ça me gagne faut que moi pour $1,500 pour yo gagne qui pire toujours gagne moi en première assurance moi te gagne et tout grêle crasé do kaila li pa gen problème li réparer kaila moi même tout me doit bail $4,000. Donc ça y est exactement. Font ça, c'est un moyen pas m'bat jam konnen t'ap gen grèl k'ap passe, m'konnen zone nan k'on gen grèl, bon ou pa ta attendre que ça va arriver. Donc font ça, c'est il k'ap aide ou k'ap couvri et besoin et ou doit porter assurance k'ap aide ou réparer kaila. Donc m'pense en gros baby step 3, c'est un gros baby step pour permettre tout atteindre financial freedom. Là n'a pas les financial freedom c'est rivon côté dit bon moi-même moi gain assez moi gain droit prendre plaisir moi gain droit faire cadeau moi gain droit créer un legacy par exemple moi gain droit aider et ti monde et grandir et ti monde à l'université donc moi gain un financial freedom faire li parce que moi gain assez income pour supporter moi. Exactement. Bon, c'est que pour aujourd'hui, on nous dit un pile bonne bagarre sur troisième étape. Non. Bon, par contre, tu as ajouté un autre bagarre. Encore, on a fini avec lui pour demain pour une quatrième étape là. Donc, bon, c'est baby step 3, c'est un gros étape pour financial freedom. Et bon, c'est pour nous continuer à brancher nous pour nous parler de baby step 4, 5, 6, 7 pour nos grandes familles et puis gros. Exactement. Bon, n'a rappelé mon mercredi n'a fin avec un mode pour avoir pour mon parce que mercredi à 16, ce mercredi a bien réunion banque centrale américaine pour connaître si a augmenté pour eux et puis de combien a augmenté. Donc la banque mon comment ça s'est fait, comment réunion a été passée de façon à ce que pour monde qui investit dans marché action pour prendre des bonnes décisions par rapport avec sortie fait là. Donc on l'autre fois on commercie avec tout le monde. Il y a bien pour garder vidéo ça et puis nous après demain pour l'autre baby step. Ok, à la prochaine et pas oublier mon yo pour nous subscribe avec nous pour et pour ce petit bouton like là pour aider YouTube reconnaître que ça nous fait c'est un bagage qui bien valeur. Merci en pile et à la prochaine.